Yo tout le monde, c'est DoGamer 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'attendais de faire depuis longtemps. Voilà. Je pense qu'il est temps de vous découvrir mon setup, si je peux le dire, plutôt ma chambre. Donc c'est parti, on va faire le tour. Donc premièrement, à l'entrée de ma porte, nous avons un petit chapeau et un béret, voilà. Donc à droite de celle-ci, nous avons toutes mes chaînes YouTube avec le nombre d'abonnés, voilà. On tente toujours le record du monde, même si c'est impossible. Et juste en haut, il y a un petit poster de Naruto Shippuden, voilà, que j'ai pris à Paris. Il est super sympa, je l'adore. En dessous, il y a des petites caisses avec plein de choses de jouets dedans, voilà, que je me sers jamais. Avec la petite guitare à côté, voilà. Après, juste là, la partie où il y a le piano. Voilà, le piano de ma sœur, plus précisément. Avec la petite BD de Furo Jumper, ça fait super plaisir, elle était super bien. Une petite sacoche, voilà. Ici, c'est le badge de quand j'étais allé faire la porte ouverte de mon lycée. Voilà, du coup j'avais ça, j'avais juste envie de le mettre comme ça. Ici, un petit poster Fortnite. Là, c'est une petite étagère avec des figurines pop, des petites figurines, voilà, un petit casque. Le casque, celui-là, je l'ai eu au brevet, voilà, la remise des brevets. Ici, des petites figurines Marvel, voilà, avec mon logo YouTube juste derrière. Après, juste là, ce sac qui est là, c'est celui que je prends pour aller faire des balades. Un petit fond vert, des livres. Après, juste à droite, des dessins, il y a une montagne de figurines pop. Avec des voitures anciennes, parce que j'adore, mais j'adore ça. C'est incroyable. Donc là, une petite manette pétée, hein, je peux pour aller là. Voilà, plein de voitures anciennes avec l'antenne de ma télé, qui marche jamais. Voilà, toutes mes figurines pop. C'est énorme. Là, il y a le petit Fort Boyard, une tirelire. Voilà, que j'y suis, on y est allé. Ma famille au Fort Boyard, on l'a vu, on a vu pas ce muraille. C'était très très drôle. Donc là, il y a une tour Eiffel, il y a mon prénom et un petit champignon en tirelire. Ici, il y a une télé avec une armoire où il y a tous mes vêtements dedans. Donc là, pareil, il y a plein de petits objets, voilà, de décorations, juste comme ça. Ensuite ici, voilà, là c'est plus la partie gaming. Le micro, le PC avec mon nombre d'abonnés actuels. La petite souris, la Switch. Hein. Les petits CD, bah oui, j'adore les chansons, hein. Évidemment, 47 Terres, DJ Matt à fond avec l'album dédicacé, Big Flu et Oli, je les adore. Mon petit piano, où je fais toutes mes musiques, un petit lecteur de CD, une caméra, le petit écouteur, ma chaise gaming que j'ai reçue à mon anniversaire. Super bien, elle se plie et tout, elle est incroyable. Donc voilà, ici, le petit pouf, voilà, tranquille. Ici, c'est plus les passions que j'ai, hein, pour le tennis et le badminton, j'adore ça. Ici, j'ai installé ça, bah oui, hein, la France, vive la France. Un petit logo 47 Terres, un petit bateau que j'ai trouvé comme ça. Donc, ce petit casque-là, il vient de Crète, quand j'y suis allé. Une tirelire en astronaute, un petit, une petite fausse plante, je sais pas quoi. Bon. Un télescope, parce que je suis un fan, très très grand fan d'astronomie. Guitare électrique, parce que j'adore la musique, hein, un globe terrestre. Donc là, ici, voilà, il y a mon lit, avec une manette dessus. Du coup, là, c'est un petit truc qui est sur mon lit, voilà, qui fait tout l'ensemble, ici. Du coup, ici, j'ai une planète qui s'allume. Je l'ai acheté à Carrefour, hein. Il y avait des dinosaures et des étoiles en même temps. Je pouvais pas la résister parce que j'adore les planètes, hein, évidemment. Le poster de Stranger Things 4, voilà, parce que j'adore cette série. Une que j'adore vraiment. Une petite horloge assez spéciale. Elle me fait rire alors que je l'ai pris, voilà. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est mon cousin qui était allé en Espagne avec son collège, du coup, il m'a ramené ça, voilà. Du coup, ça aussi, c'est un cousin qui me l'a fait. Du coup, là, il y a un couteau. Ce couteau, hein, c'est pas une arme, elle vient de Crète.
En gros, si j'ai bien compris, quand on est allé l'acheter, c'est les personnes en Crète qui se l'échangent en guise d'amitié. Voilà. Super couteau. Bon, il y avait un truc crête de crête ici, mais il est effacé, du coup on voit plus rien. Mon petit caméscope ici qui marche plus. Voilà, une caméra qui est waterproof, hein, super cool. Bon, ça, c'est ce que les darons achètent à tous, hein. Les petites blagues tous les jours. Mais bon, je suis pas. J'ai pas encore lu dans son entièreté, hein, parce que là on est le 29. Du coup, voilà. Ceci que j'ai eu à la Japan Touch, que je me suis acheté, j'ai trouvé ça très stylé. Voilà, un Game Over, hein, qui fait de la lumière. De Pokéball, parce que je suis un fan de Pokémon. Des types Tom One Piece, parce que je lis la série. Hein. J'en suis qu'au 16, mais bon, ça va être très long. Un petit nerf, une coque. Voilà, d'ensemble, quoi, ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai pas fait. Là, c'est mon cousin qui l'avait fait quand il était petit, ça. Donc voilà, il l'avait fait sur une boîte de chaussures. Ici, c'est ma cousine qui a réussi à avoir une dédicace de Néo pour moi. Voilà. Ça, c'est cool. Mon premier logo YouTube que j'avais fait quand j'avais, quoi, 13 ans à peu près. Des cartes Pokémon géantes. Ici, je vais pas vous montrer parce que c'est un gros bazar, les deux non plus, mais là c'est plus pour le gaming, et là c'est plus pour les cours et tout. Voilà quoi. Parce que ouais, j'ai fait l'ensemble. Hein. Après, pour la marque du PC, c'est un PC Pavillon. Bon, je sais pas, les marques, je m'intéresse pas du coup, voilà. Ah oui, ça, je vous en ai pas parlé, c'est un petit radio de poche. C'est super utile, tu l'emmènes partout, voilà. Ça prend pas la place. C'est très 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 cool. Et je crois que c'est doux, hein. Voilà, dans l'entièreté. Ah ouais, si on teste sans lumière, dans l'ensemble de ma chambre, ce qui fait tout ça, voilà. Que je fais en vidéo. Les LED, elles sont comme ça aussi. Elles font tout le tour de ma chambre, comme ça. Puis voilà. Hein. Ah oui, le poster de ça, ce que j'adore. Ce film, il est super. Du coup, voilà. Donc là, vous le voyez pas trop, je vais allumer. Vous le voyez mieux. Voilà. Comme ça, il est stylé, ça fait peur. Et hop, la vue de ma chambre sur rien du tout. Avec un petit pot. Et évidemment, si les gens connaissent ça, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ces petits autocollants qu'on met à Noël quand on est petit, après qui se décrochent jamais. Donc voilà. Ce sera très très court cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires, hein, si vous avez bien aimé mon setup. Mettez une note sur 20 ou sur 10. Ce serait cool. Voilà, voilà. Donc ce sac qui est là, juste là, là. Il sert à ranger des trucs gaming, hein, que j'ai partout, que j'emporte partout, quoi. Et celui à côté, il est pour les cours. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si c'était super court. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à activer la cloche de notification. Au revoir, adieu, et à jamais.